enculé. Eh, salut à toutes et à tous, bonjour. Voilà, j'en ai commencé l'épisode et voilà. Vous avez vu. J'espère que vous allez bien. Oui, donc comme promis, je suis revenu à la machine. Eh, comme quoi, c'est pas si mal le foutre par terre. Donc oui, on enlève ça. Alors, nous y voilà. 150 direct. Donc voilà, les éclats. Que j'aimerais mettre plus proche des autres trucs élémentaires, mais c'est pas grave. Maintenant, on a 300. Donc, je ne sais pas si on va retrouver une machine. Donc, je serais tenté d'économiser, mais on va prendre ça. Sans hésiter. 290. C'est quoi ce jeu? Oh, mais je les tape pas, donc voilà. Les insectes, c'est rigolo, mais. Voilà, donc de base. Ouais. De base, là, avec ce que j'ai de façon, je fais des économies. Et j'ai les éclats! C'est trop bien! Voyons voir! Hop! Oh! Magique! Et du coup, on se casse. Eh oui. Alors. Ouais. Alors. Donc, comme prévu, nous allons nous diriger vers la pointe Prométhée, je crois. Ce n'est pas par là. Ou je sais même plus. Oui, non, non, c'est pas par là. Ouais. Je viens de faire le chemin, je suis déjà perdu. C'est terrible. Bon, c'est par là. Non. Si. Oui. Quoique. C'est terrible, d'habitude je me retrouve dans les premières zones du jeu mais pas dans celle-là. Suite Artemis, ouais. Non là c'est les. Ah là là. Mon dieu, excusez-moi. Pardonnez mon. Je sais pas. Mon pet cerveau. Mon brain fort. Mais oui, pardonnez-moi. C'est pas là du tout. C'est par là. C'est par là. Estia Chambers. Estia, je connais. Et pas seulement dans le manga, bien sûr. Personnage répugnant, n'est-ce pas? Alors, c'est parti. On va reprendre l'ascenseur comme le toit. Droné. Ouais, il va exploser, mais vite! Oh, en plus, c'est vrai! Ah, c'était une blague, mais. Oh putain! Il a vraiment explosé! Très bien! Dans le jargon, on appelle ça un coup de pute, mais. D'accord. Ok. Et du coup, nous prenons la bathysphère. Normalement, il n'y a plus personne ici, parce que voilà, ils ont croisé ma route sur le. Sur l'allée. L'allée! Et du coup, on tire le levier. Et point de Prométhée, nouvelle zone. Nous allons avoir une quête, a priori. J'espère, sinon je dis de la merde. Et je crois, ouais, ça me dit quelque chose. Là, les images et tout. Ça me dit quelque chose. On va devoir réunir différents objets pour faire quelque chose. Ah, c'était lui! Ouais, j'arrive! Ah, le bâtard! Ça y est, fin du jeu, je ne peux plus! M'en fous! Ce crétin est un étros! Il ne devrait même pas pouvoir marcher! Ok. Ok. Pousse
Mais c'est terrible. J'ai pas de temps avec vous. C'est votre dernière chance. Si vous arrêtez, je vous laisserai ce dépotoir. À vous et à votre amie allemande. Sinon, Rapture finira en aquarium. Scheiße. Scheiße. Ouais, bah, excuse-moi, mais... Ok, il y en a trois ici. Ah, pardon. Je l'ai fait un peu tôt. Oh, pouvoir au peuple. Nice. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est la première étape de ta transformation en l'un de ces ignobles protecteurs. Et le seul moyen de franchir la porte par laquelle Fontaine s'est enfuie, c'est de la faire ouvrir par une petite... Elles ne te feront confiance que lorsque tu auras l'apparence, l'odeur et la voix d'une de ces brutes immondes. C'est ça, donc c'est ça la dernière étape dont je me souvenais. Et donc oui, je m'étais pas trompé, c'est bel et bien là. La transformation en protecteur, enfin transformation, déguisement, hein. Allez. Hop, on va prendre ça. Je me souvenais pas honnêtement avoir trouvé autant de pouvoir au peuple quand j'avais joué avec mon pote. Donc là, je crois qu'il faut simplement tuer les protecteurs en fait, ou trouver les trucs. Moi ça me ferait plus flipper qu'autre chose qu'un mec se relève après un coup de lance-grenade, mais... Ok, donc c'est... Et où tu vas comme ça? Tu dois devenir un protecteur pour faire sortir les petites sœurs. Mais je vais nulle part. Ah, mais bien sûr. Oui, je vais les appeler, bah oui. En tapant comme un tarde. Bon, on voit que c'est assez coquin, bah... Ok. Oula. Il y a une caméra. Non. Le piège qui m'a eu déjà trop de fois. Vite. Qu'est-ce que tu fais, mon dieu? Merde, je n'ai aucun truc qui descend. Ah, j'ai rien dit. Ouais, mais ah, voilà. Il est sous mon joug déjà, ouais. Je le dis tout le temps, hein, c'est vrai. Derrière moi. Oh la vache. Oh la vache. Oh, je sors le doigt. Ça m'aurait sans doute été très utile pour défendre la position et tout, mais je m'en fous. Il vient de me faire perdre 15 secondes de ma vie. C'est une bibliothèque, hein. Donc on va y aller à la clé, parce qu'il ne faut pas faire de bruit dans la bibliothèque. Oh, le silence, il y a un truc là-bas. Vous appréciez le silence là d'un coup? Regardez. Je le savais! Faut me tuer. Oh, habile. Est-ce un râle de mort? Un râle de mort. Qui étais-tu? Rosso Moudini. Ouais, mais c'était un bleu. Bref. Chercheur. Frappez-la là où ça fait mal. Bon, je me sers plus de ma clé, honnêtement. Ouais, je me sers plus de ma clé. Les bottes. Le pass. Peu importe, prends-les. Ça veut dire quoi en allemand? Impressionné. Alors. Mais du coup, oui, je fais un bruit de protecteur. Non, 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 non! Oh, je t'ai pas vu! Oh non, alors! Oh putain, je crois qu'elle était. Bonjour! Alors, Ok, ok. Euh...
Honnêtement, j'en ai 5. Je vais pas casser ce truc là. Ce serait stupide. Alors, je fouille tout, hein. Je sais que j'aurai pas d'autres parties de protecteur ici. J'aime bien cette zone. Enfin, la petite bibliothèque, j'aime bien. Ok, ok, bon, on s'en va. Alors, on maîtrise la glace. Alors, il y avait des trucs en bas. Ça me fait un peu chier de faire les étages tout de suite. On va voir, on va voir. Oh, le monde est déjà fin. C'est bientôt Noël d'ailleurs. Oh, salaud. C'est comme ça alors. Êtes-vous plus fort que mon père? Et donc, ça veut dire qu'il y a un jardin des glaneuses comme je le comptais. Comme je le comptais. Allô? Comme je le pensais. Je fais des phrases bizarres en ce moment. Il y a peut-être une région importante de mon cerveau qui a été détruite récemment et je n'ai pas fait attention. Auquel cas je suis en danger, peut-être. Mais ça m'étonnerait. Oh bah dis donc. Ah ouais, je me souviens, on va arriver dans des labos et tout. Contrôle de combinaison, ouais, mais il me fallait qu'un. Coucou, alors. Oui, je ne savais pas que je pouvais le faire encore. Oui. Bon, après, les autres trucs, honnêtement. Oui. Je sais pas quoi, mais oui. J'ai déjà ça, ouais. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, de toute façon, j'ai encore 3 petites sœurs à sauver. Et là, donc, il va avec. Donc, du coup, je vais encore ne pas savoir quoi en faire. J'ai envie d'aller dans le truc des enfants, moi. Ah, ouais. Non, j'ai envie d'y aller. M'en fous. Mais il y en a aussi en bas. De toute façon, je ferai l'étage du bas. Il n'y a pas à discuter. Wow. Ok. Mais... D'accord. 3 phéromones, ok. D'accord. Je sais plus, j'ai vu un truc d'alarme, mais je sais plus où. Bon, bref. Phéromone. Ça c'est un peu glauque quand même. Oh oh. Je pourrais prendre le temps de pirater ces deux robots. Mais je vais pas le faire. On recommence. Oh non, je vais striker YouTube. Waouh. Le petit frise qui fait plaisir. Oui, oui. Oh, il me donne moi la bonne pièce. Merci. Je me suis peut-être demandé. Alors. Bon, pendant que Atlas s'énerve, hein. C'est un enfant, laissez-le. Il se calmera tout seul. Hop. Ok, non. Il y a une petite sœur là. Oh, c'est vrai que c'est le bordel ici. Ça se trouve, elle est au-dessus en plus. Nice. Du parfum. Je me réjouis de ne pas être près de toi et de toutes les influenceurs.
Oui, j'avoue, je trouve ça même un peu glauque, mais... Ok. Je fais juste le tour, hein, je vérifie. Livraison spéciale, enculé ! Je suis pas mort. Putain, mais du coup, je suis... Vu que c'est moi qui fais les bruits de protecteur, je suis un peu dérouté. C'est comme ça qu'on fait ! Allez, on va se regarder comme des tarts pendant qu'on se tire dessus. Ça me va. T'as décidé de tanker. Bah moi, je suis le héros. Oh le bordel. À la mexicaine. Oh le, il y en a encore. Non, je veux ça. Lis-le. Merci. Je sais pourquoi il faut des enfants. Mais pourquoi seulement des filles? Je ne peux l'expliquer, mais c'est ainsi. Fontaine dit que ça nous évitera d'installer des toilettes en plus dans l'orphelinat. Les effets de la danse sur eux sont fascinants. Leurs cellules sont remplacées par de nouvelles souches à l'instant même où elles sont endommagées. Ces enfants sont quasi invulnérables. Ah, si nous pouvions faire la même chose avec un adulte. Il y aurait un gros marché pour un homme invulnérable. Ah oui. Bon ok, c'est pas si grand que ça en dessous. Ça me rassure un peu, j'avais peur de me perdre ici jusqu'à la fin de l'épisode. Il y a une petite soeur ici. Oh. Oh, c'est mignon. Enfin, c'était mignon. C'est mignon. Bon, toi, attends. Je me souviens plus si on peut faire ça. Naine! Oh, j'ai un peu peur de faire ça. Sortez! Wow! Je voulais pas rentrer dans ta chambre, je le jure! Toi, par contre. Ah, c'était. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que j'ai fait une connerie. C'est une élite. Ah ! Au moment où je recharge, je me pute. Oh merde. Ah non, mais j'ai pas de temps. J'ai pas de temps à perdre avec toi en fait. Oh, il s'est pris les balles de l'autre. Ou alors je l'ai vraiment one shot, mais. Ouais, j'ai pas compris là, mais bon, bref. Eh, hey, c'est la première fois que j'ai une rosée élite sans crever. Peut-être pas, mais. Il me semble que c'est la première. Oh la vache, ça m'a fait peur. Ok, ça s'avère efficace la tactique de... Mais où es-tu? Quand? Ah mais oui. Du coup. Qui a besoin d'arbalète quand je peux les lancer à la main? Oh, c'était rigolo ça. Bienvenue à la fin. Oui, donne-moi tout ça.
Je suis un peu étonné que ça m'a pas tiré dessus, ça, encore là-bas. Oh, ok, pardon. On va manger des chips. Aïe, quoi? Ah, parce que... Ah, bah, veuillez m'excuser. Encore! C'est trop bon les chips. C'est un petit concentré de cancer dans votre dans un sachet en plastique, mais c'est trop bon. Je tire pas dessus, hein. Oh, cadeau de... Non. Oula. Bon bref. Oui. On dirait sans protecteur tout simplement. Oh, c'est bien gardé, hein. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut entrer là-dedans, il me semble, non? Je sais pas, je me souviens d'un truc comme ça. Oui, voilà. Comme quoi, il y a des petits souvenirs qui reviennent hein, par bribes. Ok, ouais. Bingo. Ah, on vient. Laissez-moi tranquille. Eh, vous savez que j'ai eu tellement peur que. que j'ai. que j'ai mis ma tête en arrière et du coup je me suis cogné. Hein. Salon. Ah, il m'a fait trop peur, je vais. Oh. Je suis revenu en arrière. j'ai fini ici, je crois. Un petit truc de... Ah oui, je suis pas... Oui, bien sûr. Oui, oui, je suis pas allé derrière. Oh non, laisse-moi rentrer. Voilà. Yeah. Alors. Oui, je sais, je vais trouver trois... Phéromones. Est-ce que je me fais chier à te... Ouais, allez, on sait jamais. Attendez. Pourquoi cette musique flippante? D'accord, il est là-bas le truc. D'où l'attaque va venir? Et comment vais-je y répondre? Comme ceci. J'ai pas compris. J'ai pas compris, là, il devait y avoir un flashback, je l'ai peut-être loupé. Du coup, les mecs qu'on respawn à. Ce fut ton requiem. Bref, c'est cool. On s'est parfumé maintenant, on pue le scaphandre. Du coup, Carsos, on va se faire le bas du coup. Plutôt que remonter tout pour reprendre les escaliers pour se faire le bas, autant passer par là. Ah oui. Donc là, c'est tout pour enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'était pas du tout un petit truc magnifique. Ah, ça va! Bref, ok, nous sommes revenus ici. Ah bah j'aurais dû aller en haut du coup, parce que l'armure... Ah, et le modulateur vocal. Tout se passe là-haut, je crois. Les appeler. Claque les doigts. J'en ai pas besoin, j'en ai 5. Toi, je t'ai déjà fouillé. Depuis que Ryan a pris le contrôle, c'est là qu'ils construisent leurs horribles golems d'une de Frankenstein. Trouve les éléments de l'armure. Ok, ok. Oh, tu m'as tellement bien eu!
Oh la vache! Bon bref, on va arrêter de taunt, hein. Pour une fois que je suis en position de force dans ce jeu. Bon, vous êtes pas beaucoup en tout cas, hein. Ça serait l'occasion idéale. On va les fouiller. On va les fouiller d'abord. Oh, c'est un modulateur ça. Ok, j'arrive. Bon, on va se faire des alliés. On va se faire... Putain, j'en ai autant que ça. What the fuck? Pardon. Voilà. La 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 la. On fait du pirata. Oh putain. Dis-moi que je peux passer par. Ah d'accord. Je te loupe, t'explose. Ah ouais, t'es comme ça toi. Bah super. Tu n'étais pas digne d'être un de mes soldats. Avec une attitude de merde. Comme ça, hop. Ouais. Oh, il va m'en manquer. Non, c'est bon, je le vois. Je le vois. Je le vois. Ya. Yeah. Continue. Wow, je suis dans quel. Ok. Ok, donc ça c'est l'autre entrée, donc ça communiquait tout simplement. Bon, on va se faire la gauche finalement. Bien le bonsoir. Wouah, les armures sont là, hein. Je me souviens de cette salle-là. Ouais, arrête de rager, c'est bon. À partir de maintenant, je dois d'abord prendre ça. À partir de maintenant, vous ne verrez plus rien. Vous êtes prêts? Yes. Eh bien, il ne nous manque plus qu'une armure. Ah, c'est pas une armure ça? Ok, nice. Donc voilà. dites bonjour à votre nouvelle, champ, nouveau. Bon, what the fuck, mais qu'est-ce qui m'arrive? À votre nouveau champ de vision. Wow. Ah oui, le son est altéré du coup aussi. Ouais, vous faites quoi? Oh, c'est pas le bordel, hein. Oh, je vais crever d'ailleurs. Oh, vous me saoulez, je m'en vais. Allez, c'est bon, salut. Oh non, tu m'as cassé. Tu m'as... Oh. J'ai dit non! Merde! Oh bah voilà, parfait. T'es où? Arrive-t-il à l'arrière-train? Bon, j'ai vu les armures, bien sûr, hein, elles étaient jaunes fluorescentes. Ne me prenez pas pour un connard. Je ne fais qu'explorer. En vitesse, puisqu'on ne va pas rester ici maintenant. Hop. Ah, tu fais mal à ma fonce. Il y avait une petite sœur là, je l'ai entendu. Ici! Yo! Oh merde! Non! J'ai pas le temps! Il me casse les couilles! You, ok. Sauf ça? Non. Oh, j'ai besoin de ces points de santé, Einstein! Oh, comment je vous rejoins? Attendez! Je sais, c'est bon, voilà, je l'ai pris. Tu trouveras une armure. Je regrette que mon arrivée soit de la stabilité.
Oh merde, je l'aggro. Ah oui, c'est vrai. Non, je suis coincé, c'est pas juste. Pousse. Ah merde, j'ai voulu arnaquer. Ça sera donc un duel. C'est pas à lui de me trouver d'abord, c'est à moi. Oh bâtard. Toi, tu vas arrêter parce que tu m'énerves. Hein. Plus. Tu t'es bien défendu. Bon, je vais mourir sur le premier connard qui va me croiser maintenant, mais c'est pas grave. Par exemple. Vite. Non, non, t'as gueule. J'ai pas que t'as à perdre. Non, non, non. Fouh, eh, c'était pas mal. Un petit duel de cow-boy à la fin. Bah, j'espère ne pas crever. Oh les dégâts du bruit. Ah, y'a un truc qui s'ouvre là. Ok. C'est sur cette victoire. Non. C'est sur cette victoire qu'on va se quitter. Comme vous le voyez, la fin est proche. Yes. Voilà, je vais juste vous mettre dans une position de confort. Voilà. Maintenant, vous le savez, je vais survivre. Na 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 na. Allez, on va écouter ça. C'est du bonus. Fontaine est un non. Salopard doublé d'un monstre. Et Ryan est un salopard doublé d'un requin. On ne peut pas réutiliser une armure de protecteur. Il faut greffer la peau et les organes du sujet directement dans l'armure. Sinon, ça ne marche pas. Ryan dit que les protecteurs coûtent trop cher. Ryan peut aller se faire foutre. Oui, d'accord. Comme ça que tu traites tes patrons, toi. Donc bref, bah on va se quitter dans ce couloir glauque. Pour aller je ne sais plus où, honnêtement. Voilà, mais on a déjà bien avancé. L'armure de protecteur. Il n'en reste donc plus que le modélateur de voix. Mais ouais. On va finir ça dans le prochain épisode. Et a priori, je ne voudrais pas m'avancer, mais ce serait peut-être le dernier. Donc nous verrons bien. Dans tous les cas, je vous fais des bisous, transmettez l'amour, tout ça, et surtout, bonne soirée!